nouvel épisode et le jour commence et je sais pas pourquoi j'ai encore un problème de contrôle. Décidément, ça commence à être énervant. Bizarre. Je vais avoir le Z là qui... Décidément, je vais pas avoir ça à chaque début d'épisode quand même. Open chest 2, tiens, je vais faire ça, voilà. Ah non. L, voilà. Ça, non. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème là. Clinker. Alors ça, on va lui dire I. C'est celui-là qu'on va dire hop. Ou plutôt hop. Plutôt je sais pas, en tout cas voilà, c'est réglé. Bon, j'ai encore un peu de lag, on descend et on va commencer à démonter tout ça. Alors ça, ce sont des bacs. Pour que une forge fonctionne, elle a pas besoin des quatre blocs sur le côté qui sont là, donc ça pourrait fonctionner sans ça, ni sans ça d'ailleurs, et même sans ceux qui sont en dessous. Quand je dis en dessous, c'est juste en dessous du mur. Donc tous ces blocs là sont des blocs en trop, et c'est là que notre table de déconstruction va jouer un rôle, puisqu'on pourra récupérer les briques. Vous voyez, la smelterie, elle fonctionne comme ça en fait. Ah oui, je peux pas encore voler, mais elle fonctionne juste avec cette configuration. Donc nous, ce que de toute façon on va tout détruire, on va tout emmener, puisqu'on va pas s'installer ici, je pense pas. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Ah, j'ai ma pioche qui est en bout de course déjà. Ça commence bien. Bon, je détruis tout ça. Et puis je vous reprends plus tard. Donc voilà que je reprends tout ça. Je vais prendre également quelques patates, puisque je vois que c'est prêt. Ça nous servira. Voilà. Le blé, pour le moment, bof. Bon, je vais en prendre un peu, allez, histoire de, mais sans plus. Voilà, donc tout ça, je vais le mettre dans un coffre. Lequel ? Pas celui-là, celui-là, voilà. Le deuxième. Non, celle-là, j'en veux pas, merci. Ça, 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 ça et ça. Et j'ai dit que je ne voulais pas de l'autre, mais elle est revenue, comme d'habitude. Voilà. Bref. Voilà où nous en sommes, en ce début de partie. Donc, bon, ce village n'a plus grand-chose à nous amener. Bien que je prendrais bien deux seaux de lave, là, puisque j'ai vu qu'il y avait de la lave. Quant au donjon, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment visité, hein. Évidemment, hein, vous avez envie que je descende. Allons-y donc. Alors, est-ce que là, par là, il y a des trucs ? Bah déjà, il y a du... il y a du minerai. C'est déjà ça. Mais il n'y a rien d'autre, visiblement. On va déjà prendre tout ce fer. On va continuer à descendre. Ça descend bas quand même, hein. Alors, une question que je me pose, c'est pourquoi je vois pas les souterrains là. J'ai pas dû mettre la bonne option. Donc on était là. Oh là, il y a un creeper là-bas déjà. Ah, je vous dis, c'est mortel, hein.
ça, je voulais le reprendre. En définitif, on va le prendre. On va prendre aussi ça, hein. C'est la toile d'araignée. Ça va nous servir. Ensuite, c'est pour ça qu'ils peuvent pas passer. C'est pour ça. Et ben voilà qui est fait. Oh mince, il a tout pété. Il a tout pété. Bon. Voilà qui est fait. Ah, là je vois un piège. Qui a pas dû fonctionner. Oh oh. Là, ça craint. Là, ça craint. Déjà, si je prenais des blocs à la main, ce serait pas plus bête. On va en mettre un là. Oh, oh, blind client. Il doit pas être loin d'un squelette là, hein. C'est l'angoisse. Oh, il y a du diams là. Oh, ouais, mais alors. Et j'ai pas de pseudo, évidemment. Tiens, ça, ça sera toujours. Hop là, ça te prie. Et là, je viens de voir un danger potentiel énorme. Eh oui, dommage. Donc, par là, il n'y a rien. Voyons ce qu'il y a un peu par là. Il y avait un petit bonhomme. Mmh. Ah, sans saut. Bref, je veux ressortir de là. Ça sert à rien, je suis pas équipé en fait. Je suis vraiment trop téméraire là sur ce coup-là. Ça sert un peu à rien ce que je suis en train de faire là-bas. Il y a du monde. Ils doivent glitcher de dessus. Il doit y avoir des salles au-dessus. Genre là, par là, par exemple. Ce serait pas très étonné. Ça y est, ma pioche qui me lâche encore. C'est quoi ça, je vois que dalle là-dedans. Ah, c'est du tin. Bon, il va me falloir se refaire une pioche, mais je vois plus ma table. Ah, elle est là. Bref, on visite un peu ces donjons. Alors, celui-là a l'air assez simpliste comme donjon. Il y en a des beaucoup plus compliqués, hein. Mais alors beaucoup plus. Et beaucoup plus étendus, surtout. Bon, par là, en tout cas, il risque pas d'y avoir grand-chose, j'ai l'impression. Je pense Kin, parce que... dès qu'on pourra... on va se faire... ce qui va bien. Ah, ça, c'est du silver. Je pourrais pas le miner avec ça. Bon, tant pis. À un moment, il m'avait... voilà, j'avais bien vu... ici. Hop. Vous voyez, il y a donc différents niveaux de donjons. Ah ben là, c'est même un mineshaft. Là, c'est même mieux encore. Et puis là-haut, il y a ceci. Ah, j'ai ma touche qui ne marche plus. Bien, je vais me préparer. On va se préparer un petit peu là. Je vais me débarrasser déjà des blocs qui me servent à rien pour le moment. Voilà.
Ça fait sympa ça, hein. Ça, mais ça c'est le, comment dirais-je, le mode pack qui fait ça. Donc, je me prépare un peu et Bien. puis je reviens. Alors quand je me suis dit, je vous ai dit je me prépare un peu, c'est parce que, hop, voilà, déjà je vais choper les sources de lave qui m'intéressent et surtout je vais choper ceci. Et il faut une pioche en fer pour ça. C'est des cristaux qui vont me permettre, et je vais avoir des problèmes, je l'entends, qui vont me permettre de faire le fameux grinder dont je vous parlais. On va prendre aussi tout le fer qu'on trouve. Il y a des ennemis pas loin, je les entends. On va prendre aussi toute la corde qu'on trouve. On va pas aller très loin là-dedans. On va prendre ceci. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est des plantes qui fabriquent des minerais. Ici, en l'occurrence, il s'agit des minerais d'étain. Je vous montrerai comment ça fait. C'est, ça se plante et ça se récolte. Donc, grâce au mode Mine Factory, on va pouvoir récolter tout ça. Alors ça, c'est encore un autre étain, mais c'est de l'étain toujours. Donc on le prend quand même. Tout ça parce que ça nous permettra sans doute de fabriquer des coffres. J'en ai fabriqué un de plus d'ailleurs. Alors ces cristaux-là appartiennent au mode Apply Energistic. Et ils vont nous permettre de faire des grinders. Alors vous remarquez que pour l'instant je ne prends pas du cuivre, c'est vrai. Non, ce plomb non plus, je vais pas en prendre. Je prends du fer, oui, ça je prends. Je prends pas tout, hein. Pour le moment, j'essaie quand même de limiter la. Oh là là, à gauche là, j'entends. Est-ce que je prends une troisième source de lave? C'est peut-être pas utile. Peut-être pas utile, les mecs. Les rails et tout ça, pour l'instant, hein, non plus, peut-être pas utile. On aura l'occasion de reprendre ça plus tard. En fait, plus je reste dans ce secteur et plus je me dis que ça devient intéressant de. Alors, vous voyez, dense or, on a aussi dense or pour le fer. Donc là, vous allez voir, ça me donnait plusieurs blocs. Voilà, vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est vraiment un mode sympa. Vous allez voir aussi qu'on pourra récupérer des minerais dans le Nether aussi, mais pas à n'importe quel prix non plus. Ça récupérer des minerais dans le Nether, ça excite les pigmen, donc il faut être bien armé. Et déjà j'entends des bestioles là, des araignées venimeuses. En ce qui me concerne, je suis très intéressé par le fer pour pouvoir nous faire une armure le plus rapidement possible, qui nous permette de voler, surtout que j'ai cru entendre un creeper là. J'ai flippé, j'ai du tin partout. Alors, ces coffres, qui sont transportables, c'est drôlement pratique. D'autant plus qu'après, on pourra tout simplement les démonter avec la table de déconstruction. Donc, on en gardera quand même une ou deux. Là, ça m'a l'air très chaud. Il y a un coffre en plus. Il y a un coffre, il y a sûrement des trucs là-dedans. Ah ouais, il y a des araignées aussi. Il y a des araignées aussi, alors ça va être moins drôle. On va les bloquer là. Ah, ça c'est intéressant. Ça aussi. Je vous expliquerai en temps voulu à quoi ça sert. Je prends ça aussi. Oh merde! La mauvaise idée. Grosse descente. En dessous. Allez hop, on prend tout ça. Ah,
l'impression qu'on a un adversaire ici. Non, derrière ce mur là, il doit y avoir du monde. Enfin, un petit manshaft quoi, pour commencer la partie. Hein. Ça nous permet de récupérer des trucs. Et c'est pas plus mal. J'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas quand même. Elle est bien là. On va bloquer là. Ah, ça c'est bien ça. Alors, je dois avoir un coffre que j'ai fait qui est vide. C'est celui-là. On va tout de suite l'utiliser, je crois. Parce que là, je commence à être un peu chargé. Mais non, pas ça, surtout pas. Ça, ça sera pas utile tout de suite. Eh, j'ai quand même récupéré 46 blocs de fer hein, sur ce coup-là. Donc c'est pas si mal que ça. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un lotus noir, ouais. Ah oui, j'ai du tin, des coffres, bon oui. Ça va, c'est ça que je voulais. Bon, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin, on va ressortir là. Non, j'ai l'impression qu'il y avait un truc. Ouais, c'est un bloc de cobble. Ça n'a aucun intérêt. Bon, c'est... Vous voyez, on a encore ici, c'est de l'aluminium cette fois. Alors, si vous cliquez droit dessus, hop, vous avez pris ceci. Et ceci, quand vous le faites cuire, eh bien, vous obtenez une pépite d'aluminium. Et donc, on peut prendre ça, et puis le faire pousser. Bon, alors, je crois que là, décidément, je vais prendre ce seau de lave, qui me provoque depuis longtemps. Les seaux de lave, ça va nous permettre de faire fonctionner la smelterie, hein. C'est pour ça que je les prends. Dès qu'on pourra la mettre en activité, on aura besoin de lave. Ça fonctionne avec de la lave. Donc, voici. Voilà où. Ah ben voilà, c'est maintenant que j'ai de l'eau. Maintenant que j'ai plus de seaux, quoi. Bref, c'était quand même étrange le fait que ce mur ouvre sur un mineshaft. Ça, c'est bizarre. Non, ça va pas plus loin par là. Et par là. Non plus. Étrange. Bon. Alors. Cave map. Je sais pas pourquoi. Ben ouais, et pourtant il est enable. Je comprends pas pourquoi il me met pas les trucs. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. On va ressortir de ce trou. On va ressortir de ce trou sans fin là. Là aussi, il y avait de la lave à prendre, hein, mais bon, je vais pas non plus
quoique je pourrais. Ah, fameux. Je vais prendre aussi du sable parce que il va me falloir du verre. Et oui. Et je fais une pause 2 secondes parce qu'on va faire un truc. On va faire ceci. Un tank. Et ce tank est portable. Et ça, c'est cool. Sauf qu'il nous faut, évidemment, j'ai zappé. Il nous faut du cuivre. Et j'ai pas de cuivre. Où est-ce que j'ai mis mes fours? Là on l'a un. Donc on va en faire du cuivre. Je vais mettre ça. Déjà. Je vais redescendre parce que j'ai vu du cuivre en bas. Je sais plus où. Alors voilà. Et zut, c'est maintenant que j'ai plus de pioche. Bon, c'est pas grave, c'est l'enfer. Voilà, on va en prendre 2. Ça va être suffisant. Ah merde! Oh, sale trou au milieu! Alors là, je suis descendu de plusieurs étages, hein, mes amis. C'est ça le danger avec cette descente. Donc mettez des blocs au milieu au cas où ça vous arrive, comme ça vous redescendez pas tout. Là, j'ai perdu pas mal de points de vie. Et je recommence en plus. Si ça continue, je vais mourir avant la fin de l'épisode! Ah mais. Trop impatient. Hop, voilà. On va limiter les dégâts. Donc, hop, où est-ce qu'ils sont nos deux cuivres là? Les voilà. On va faire ça pendant ce temps. Pendant ce temps. Alors. Pendant qu'il nous fait ça, il va nous falloir aussi du verre. Voilà, ma table de craft. Voilà. Mettre ça au milieu. Là, j'ai 2 autres seaux de lave. Et en fait, on va se faire des tanks portatifs. Ce sont des tanks qui, contrairement à ceux de... Comment s'appelle, d'Industrial Craft, qui contenait 10 seaux, ceux-ci en contiennent un peu moins. Ils en contiennent 8, mais contrairement au tank de Buildcraft, je veux dire, eh bien, ils sont transportables. Donc, les autres, si vous les cassiez, eh ben, vous perdiez tout ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc là, ils sont transportables, et ça, c'est l'avantage. Voilà. Hop. Hop. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais trop vite. Hop. Et je me rends compte que la nuit tombe encore. Voilà. Et on va le prendre avec nous d'ailleurs. Hop. On va prendre tout le reste aussi d'ailleurs, au passage. Parce que si un creeper se pointe, j'ai pas envie qu'il nous détruise tout. Et on va descendre ici. Tant qu'à faire, on va le remplir ce tank. Hein, qu'on ait des réserves, quoi. Il est plein. Bah ok, alors s'il est plein, en fait, on peut quand même en prendre 2 autres. Hein, ça sera pas plus mal. On va récupérer notre truc. Hop. Et on va aller retourner au village.
en espérant que on s'en sorte vivant. Ouf, zombie en vue, mais on en est sorti vivant. Voilà, donc je vais... Non, celui-là, il est moins plein. Ça veut rien dire, mais bon. Je vais m'installer ici pour le moment. On va faire... Alors, on va aller... Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Tout de suite. Hop. C'est dans le mode Apply énergistique, donc, et nous allons faire ceci. Voilà pourquoi il me fallait des cristaux. Vous voyez, il m'en faut 3. Ça, c'est de la stone, une roue en bois, et puis 2 trucs de machin, là. Donc, de la stone, je vais devoir continuer à faire cuire les trucs. Ah, j'ai cru que j'avais pu. Il me faut au moins 3 stones. Où est-ce que ma table de craft? Voilà, là-dedans, je vais déjà remettre ça. Donc, les cristaux, ils sont où? Ils sont là. On les met comme ceci. On met une stone de chaque côté, comme ceci. Donc, je vous remontre, parce que j'ai un trou de mémoire. Et puis, je m'aperçois aussi au passage que j'ai zappé. C'est pour ça que je fais toujours plusieurs tables de craft, parce que c'est bien utile. Puisqu'elles se cumulent, après tout, ça va pas nous charger tellement. Une roue. Qu'on met là. Et la stone qui a dû être faite. Tiens, pendant ce temps-là, fais-moi encore du verre. Voilà, qu'on met comme ça. Et nous avons ceci. Ah, comment ça marche? Eh ben, dedans, vous mettez vos minerais bruts que vous avez creusés. Par exemple, on va prendre le fer, puisqu'on va se faire une armure. Voilà. Vous les mettez dedans, comme ceci. Et, c'est pas tout, vous voyez qu'il y a un trou au-dessus. Prenez des bâtons, et vous faites ce petit machin-là. Vous mettez en sneak, vous le mettez dedans, et puis ensuite c'est clic droit, et puis qu'est-ce qui se passe quand on fait clic droit dessus? Eh bien ça va agir comme un macérateur ou un pulvérisateur, c'est-à-dire que ça va dédoubler nos minerais. Là, avec un minerai, je ne sais plus combien j'en avais. Là j'en ai 44 par exemple, et on en a 3 qu'on cuira, on a de la poudre de dust. On va voir, j'en avais 44. Alors, je vais pas tout faire comme ça, hein, mais au début, c'est le moyen d'économiser. 42, là, il m'en a donné un, ah oui, un pour un, là. Mais, disons que vous avez de bonnes chances d'avoir du 2 pour 1, normalement. Ouais, étrange, il m'en donne qu'un. Normalement, il vous en donne 2 pour, mais pas à tous les coups. C'est vrai que c'est pas à tous les coups. On avait 44 tout à l'heure. Voyons où on en est. Là, j'en ai 4. Je suis à 39, 40. Donc 44, j'ai eu que 1 pour 1. Mais j'en avais plus que ça. Hein. J'en ai eu plus que la dose. Bon, j'en étais à... Là, il y en a 40 dedans. C'est un contron, 40. On va le faire un peu, on va attendre un peu. Donc, cette machine, ça va nous servir à avoir plus de minerais que on en a, quoi. Hein. Et je vais le prouver tout de suite. Hein. En attendant, ici, ça nous fait du verre. Voilà, là j'ai 37, donc 3 qui sont partis, et j'en ai 5, vous voyez. Donc là, ça me fait 14, avec les 40, 45 qu'il y avait, donc j'en ai récupéré plus que d'origine. Alors c'est moins efficace, hein,
qu'un macérateur ou qu'un pulvérisateur. C'est la même machine, mais c'est pas le même mode. Pulvérisateur appartenant à Thermal Expansion et le macérateur à Industrial Craft, mais elles ont la même fonction, ces deux machines. Et là, en l'occurrence, eh bien, ça va nous permettre de faire, en l'occurrence, une armure. C'est ça qui m'intéresse en priorité. Alors, celui du milieu, vous pouvez jamais le retirer. Donc, si vous voulez, il faut finir, quoi. Celui qui est mis au milieu. Voilà. Toc. Vous voyez, ça en a fait deux d'ailleurs. Hop. Et là, on va se faire un peu de fer. Alors, toi, tu repars là, toi ici, toi ici. J'ai l'impression que je vais avoir besoin d'un coffre de plus. Vous voyez que ces coffres, c'est drôlement pratique, hein, parce que vu tout ce qu'on a à transporter, ils sont tous pleins. Donc, je vais prendre ces 5 tines d'or que je vais mettre là-dedans. Et c'est pareil, il va subir le même traitement. Donc là, je n'ai mis 5 au début, hein, vous avez bien vu. Dehors, il y a des Endermen que je flinguerais bien. Ça aussi, c'est bien de s'installer près d'un désert parce qu'il y a beaucoup d'Endermen. Et tant qu'on n'a pas découvert où est l'Ender, je vous cache pas que c'est un peu un avantage d'être dans le désert. En plus, vous voyez vos ennemis arriver de loin. Alors pourquoi pas? Voilà, c'est terminé. Et voilà, j'en ai 10 avec 5. Donc je vous disais 2 pour 1, c'était bien ça. Avec ça, on va se faire. Je croyais que j'avais d'autres coffres. Bon, déjà, je vais mettre ça là. Et puis ça. Oui, j'avais d'autres coffres. Je veux dire, j'avais d'autres. On va prendre la moitié. On va se faire le teint pendant ce temps-là. Une question que je me pose, c'est est-ce que. Ouais, j'ai 4 peaux, il m'en manque une. Ah, j'ai dû en passer. Ah, mais j'ai assez de ça par contre. D'où l'avantage du mode Yet Another Leather. Ça, c'est un avantage certain. Bon, là j'ai des coffres. Je vais m'en faire 2 autres en fait. Vu la quantité de choses que je trimballe, ça commence à être beaucoup. Je me demande si j'ai pas des trucs en double. Ouais, c'est ce qui me semblait. De la ficelle, j'en ai juste en dessous. Donc autant mettre tout dans le même coffre. Ça, je peux le remettre là. Il faut faire gaffe à ça. Dans les coffres, vous avez tendance à trimballer des trucs en double. Donc c'est à éviter, hein. Tant qu'à faire. Ça c'est le tin. Bon. Voilà, déjà j'en ai 2, c'est parfait, ça va me permettre de me faire 2 coffres de transport de mal qui vont m'être bien utiles pour mettre tout ça par exemple. Ça il faut que j'en refasse un, ça on va le garder là-haut, ça il faut le faire cuire. Ça, pour l'instant, il est vide. On commence à avoir du fer, de l'étain. Donc l'étain, je vais le mettre là. Le fer, je vais déjà me faire une armure digne de ce nom. Et sur moi, j'ai une armure. Et oui, ce qui veut dire que j'ai 8 peaux, puisque j'ai table de déconstruction qui est là, qui va me servir énormément, énormément. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc maintenant, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça. On prend nos pots.
Et voilà une armure avec des ailes. Et ça va être quand même mieux. Donc on y est. On va se faire un casque. On va se faire que dalle. Des boots. Ça déjà ira. Bon, on n'est pas tout à fait complet, mais c'est pas grave. Non, ça j'en ai d'autres à un autre endroit. Hop, on va reprendre ceci. Et voilà, je crois que pour le moment, on va en rester là. Tac. Ouais. Donc voilà, on va en rester là pour cet épisode. En fait, bien qu'on soit mieux armé pour aller affronter le donjon. Quoique je ferais bien de... Peut-être pendant hors caméra, faire... continuer à sortir les minerais. Mais comme on les mine, on en retrouvera d'autres. Donc c'est pas tellement utile en fait. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis le casque. Cool. Allez hop, on embarque tout le reste. Faudrait pas qu'on se fasse buter avec tout ce matos, hein. Il y a de la lave à prendre. J'aurais dû faire aussi un autre. Bon alors, où est-ce qu'on va? Hop là, attention, sable mouvant. Tiens, ça je prends. C'est vrai qu'on n'a pas d'arc encore. On va pouvoir se faire un lit déjà, je vois. Bien que je trouve ça un peu débile là. Je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis Iron? C'est là. C'est un peu de la perte que je suis en train de faire. C'est pas là-dedans, évidemment. Le problème, c'est de retrouver rapidement les choses. Voilà. Voilà, on en aura plus. Ça sera mieux que de massacrer des moutons pour rien. Alors par là on va vers quoi? Maintenant qu'on vole. On va aller se poser là. Oh là, regardez ça. Voyez-vous ce que je vois? Une météorite. Une météorite. Alors c'est quoi ces météorites? Eh bien ces météorites appartiennent au mode Apply Énergistique. Le mode Apply Énergistique, dans ce mode, on va pouvoir faire du stockage à grande échelle, en fait à une échelle informatique pour être précis. Et ce stockage, pour pouvoir le faire, il va falloir développer une technologie qui se trouve au centre de ces météorites sous forme de... Comment on appelle ça? De technologie extraterrestre en quelque sorte. Donc c'est une technologie qu'il va falloir aller chercher. C'est pour ça aussi. Il y avait aussi une météorite. C'est pour ça que j'avais autant de lag. Ça, je vais en récupérer aussi parce que ça va m'être utile. Et donc, oui, ces météorites, il y a du... Au centre, alors il faut une pioche en diamant par contre pour la miner. Et tous ces blocs peuvent faire d'excellents blocs de construction parce qu'ils peuvent prendre une autre. Quand on les met en 4, c'est un peu comme la stone. Quand vous le mettez en 4, vous avez de la stone brick. Et bien là, c'est pareil. La météorite, ben, quand vous la mettez en 4, voilà. Vous voyez là-haut, ça c'est celle telle qu'elle est. Si on la met en 4, on peut faire ceci.
Ceci, ceci. Et puis dedans, au milieu, il y a des coffres. Alors c'est surtout comme ça, ces coffres-là, qui se trouvent au centre. Alors on aura des boussoles pour les trouver, ces météorites, parce que les coffres qui sont au centre, dedans, il y a des choses qui vont nous être très utiles. C'est des moules pour faire des circuits électroniques. Et donc ça va nous être très utile, ces moules. Donc on va les récupérer. Donc là j'ai pas de pioche de diamant, donc je ne peux pas les récupérer. Là je me balade un peu, je visite. Je visite. On va voir où on va se poser. On va voir où on va se poser. Il faut trouver un spot. Alors, je pense que je vais travailler à trouver le spot hors caméra. Et je vous reprends juste après, quand j'ai trouvé le spot, de manière à trouver où est-ce qu'on va se mettre. Ça peut prendre du temps de trouver un bon endroit, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je vous reprends tout de suite après.